L'église Christ-Roi a été convertie en centre d'escalade en 2009. Vertige est le seul centre à Sherbrooke consacré exclusivement aux grimpeurs. Après 3 années d'activité, on constate que la communauté a su s'approprier le lieu dans sa nouvelle vocation. Les 2 dernières années nous ont amené à beaucoup développer le programme jeunesse. Donc, on a les cours pour enfants à la fin de semaine. Récemment, parents-enfants aussi qui commencent en très bas âge, à 3 ans. Et le camp de jour qui est à sa 2e édition cet été. Bien, c'est sûr que notre présence, en tout cas, je crois, là, que notre présence dans le quartier dynamise beaucoup le quartier, amène beaucoup d'étudiants aussi. Donc, oui, je pense qu'on a quand même un apport au niveau de la communauté dans le coin ici de Sherbrooke. C'est des personnes un peu plus âgées, souvent qui se sont soit mariées ici ou faites baptiser ici, ou des choses comme ça, ils viennent revoir, puis là, oups, ils se rendent compte que ça a changé de vocation vraiment complètement. Mais ils sont agréablement surpris, je pense, de voir comment cet endroit-là est encore utilisé, puis qu'il y a toujours des gens ici, des enfants, des familles. On a des cours pour parents-enfants, donc en famille, vraiment. Fait que c'est un lieu qu'on réussit à vraiment que la communauté puisse se garder. Je suis grimpeur dans l'équipe de compétition de Sherbrooke. On fait des compétitions de la Coupe Québec. Bien, cette année, j'ai participé au championnat québécois, donc la dernière compétition de l'année. J'ai gagné la médaille d'or dans la catégorie voix de cette compétition-là. C'est ici qu'on commence à faire l'escalade, c'est vraiment ici qu'on débute. Puis après ça, on prend de l'expansion à l'extérieur, on prend de l'expansion pour aller dans les autres gymnases d'escalade. Mais je le vois un peu comme un camp de base où je m'entraîne. Les camps de jour pour les 7 à 17 ans débuteront à la fin juin. Vertige Escalade accepte encore des inscriptions. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke.